C'est ouf, hein. Rainbow Six. Donne les calls, le machin, le truc, tu fais gagner des gens, tu leur fais kiffer le jeu, etc. Machin. Et là, Ubi te dit... Tiens ! Fils de pute ! Ok ? On n'est pas là pour tryhard. Il faut juste dire bonjour, comment ça va ? Alright. Quel système de merde. Exemplaire, mais warn. Utilisation du chat vocal pour call et je me prends des reports. Non, mais... C'est ouf. C'est juste ouf, quoi. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Et ça, c'est la... Ça, c'est la... Voilà, quoi. C'est la volonté de non-toxicité pour Ubi, quoi. Voilà. C'est leur système. D'avoir un truc encore plus contrôlé... Et du coup, qui laissera, bah voilà quoi. Je sais pas si c'est possible de trouver un bon équilibre. J'en ai aucune idée. Mais une fois de plus, j'ai appris le nom d'un truc dont on parlait souvent et qui s'appelle au final ça s'appelle la théorie de l'élastique. Le fait que quand il y a une sorte de pensée, un truc. Quand on tire d'un autre côté, il y a des chances que plus on tire fort et rapidement, et plus du coup on se prenne un contre-coup dans la gueule qui soit encore plus gros, quoi. Et là, ça là, le contre-coup qui sont en train de se prendre dans la gueule, à la base, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, c'est la volonté d'arrêter avec la toxicité, c'est la volonté d'arrêter avec le harcèlement, etc. Ça, c'est les 2 ans où on en a pris plein la tronche, du coup, à raison. Alors après, je ne connais pas les chiffres. Mais a raison du fait de dire moi machin, dès que j'active mon vocal, on me fait chier, etc. Machin truc bidule. Donc du coup, on met un contrôle encore plus important, quoi. La question de savoir, c'est pas forcément qualitatif, mais sur un jeu qui est en multijoueur, c'est important de savoir quantitativement est-ce que plus de gens sont impactés à l'heure actuelle par le fait qu'il y ait des injustices, clairement, parce qu'on parle de ça à l'heure actuelle. Des personnes qui peuvent plus parler alors qu'ils donnent que des calls. Des gens qui se font report par des gens qui viennent de commencer le jeu parce que les gars leur ont dit « fais ci, fais ça ». Ou juste des gens qui se font report parce que les mecs trollent en face. Est-ce que ça, c'est pas plus grand à l'heure actuelle que le nombre de personnes qui se faisaient, entre guillemets, harceler ou qui subissaient la toxicité à une certaine période ? Parce que c'est toujours pareil, en fait. On est toujours dans une logique où « parce que j'ai subi ça », il faut changer l'autre, quoi. Le meilleur, ce serait plutôt de mettre des manières de se défendre pour les personnes... Enfin, de se protéger pour les personnes qui subissent de la toxicité, quoi. Les meilleurs moyens de se protéger, c'est t'enlèves le chat vocal. Oui, oui. T'enlèves le chat textuel. Enfin, t'enlèves surtout le chat textuel, au final. Le vocal, en revanche, ça, c'est un peu plus compliqué. Et en particulier, le slash all. Parce que j'ai vu quand même beaucoup de personnes... La plupart du temps, qui disent « il y a la toxicité », c'est les mêmes personnes qui veulent voir les messages en slash all, au final qui cherchent la toxicité. Consciemment ou inconsciemment. Mais ils la cherchent. Ils laissent les messages en slash all. Qui ne sert à rien. Et ça sert à rien de trouver les petits contre-arguments de dire « ouais, mais comment on dit GG ou bonjour ?» Non, t'enlèves le all. À mon époque, dans les jeux multi, quand ça me saoulait, on vire le chat ou mute la personne et voilà, tout était ok. Ouais, voilà. Tu aides donc les personnes, du coup, à les personnes qui, de temps en temps, tu proposes des options pour les personnes pour augmenter leur carapace. Parce que le principe d'une carapace, c'est qu'elle ne va pas impacter sur les autres au final. Bon, il me fait chier, clic droit, je le mute. Premier truc que tu peux faire, par exemple, sur une personne, comme Valorant, tu peux régler le niveau de volume de chaque personne. Ça, c'est des trucs qui sont intéressants. Mais non, Ubi fait pas ça. Ubi, ils ont toujours cette volonté de forcer un truc qui, syndrome de l'élastique, leur reviendra en pleine gueule. De forcer une bienveillance, de se lever un matin dans une réunion en se disant « Vraiment, la toxicité, c'est plus normal. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Eh ben, on va mettre un système en place, au final, où... On va dire, on va enlever ça, 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 ça. On va définir les éléments qu'on va déterminer de la normalité. Et puis ça va leur revenir dans la gueule.
Parce que bah, les gens vont dire, bah non, ça c'est injuste, ça c'est injuste, ça c'est injuste. Moi j'ai enlevé slash all. Ça fait 5 ans que j'ai enlevé le slash all. 98% du temps, c'est des gens qui t'insultent. Tu vois ? À quoi ça sert d'aller le chercher ? Tu vois ? Le mec hier qui arrive, qui chante du Maroon 5, ouais, tu le mutes et puis basta, quoi. En vrai. Après, tu mets exemplaire ou pas. À la limite, quand on est dans une logique... En fait, c'est exactement sur les réseaux sociaux, quoi. Il faut avoir un clic droit qui te permette de ne pas faire d'action négative par rapport à la personne en face, c'est tout. Tu la mutes. Ou alors, du coup, c'est un principe de report, mais le principe du report, il peut être que en fonction de la quantité. On partira du principe que dans sa globalité, la communauté, s'il y a beaucoup de gens qui reportent, alors, de facto, c'est que la personne, elle est déviante par rapport au groupe, ici, un jeu vidéo social dans lequel il est. Mais on commence pas à faire des trucs, à donner au final des pistolets à tout le monde et avoir la possibilité, en quatre clics droit, de te dire « t'as été report ». C'est pas normal, en fait. Tu vois ? Non ? Sur console, il n'y a pas de chat textuel. Tu dis GG à la team au micro, voilà, pas besoin de dire bonjour à l'autre team. Ouais, et puis si t'as envie de le voir, voilà. Mais... Donc moi, c'est le truc de reporter à la fin, là. Enfin, le truc de donner des plus, je trouve ça vraiment cool. Tu vois, il m'a aidé, il a aidé à ça, il a aidé à ça, il a aidé à ça. Et après, il y a un bouton report, ok. Mais dans ce cas-là, le bouton report, il est uniquement s'il y a un grand nombre de personnes sur plusieurs games qui ont report la personne, quoi. Ça peut pas être comme ça, là, trois pecnos qui décident de faire un clic droit sur toi. Et voilà, c'est débile, en fait. Et puis, un autre truc, je pense sincèrement qu'il y a la possibilité quand même de savoir si les gens parlent ou ne parlent pas. Tu vois ? Et d'être un petit peu plus, comment dire, précis sur la façon de noter la personne à la fin. A-t-il parlé ? A-t-il pas parlé ? Voilà, quoi. On n'est pas obligé de noter tout le monde, au final. Il pourrait peut-être te proposer que deux personnes. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'application Freeletics. C'est une application pour faire du sport. Moi, c'est une application que j'utilise. S'il y a un moment, tu dis... Attention, cette séance qui était composée de 5 exercices, ok, elle était difficile. À la fin, le truc va me dire quel a été l'exercice avec lequel vous avez eu du mal. Et il va pas partir dans une logique d'enlever toute la séance parce que j'ai eu du mal avec un seul type d'exercice. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est juste à la fin, à la limite, plutôt que de balancer les 4 mecs qui étaient avec toi, là, de façon random au final, de te balancer une ou deux personnes, jamais les mêmes au final, et derrière de leur donner la possibilité de rentrer en revanche plus en détail dans qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, tu vois. Une espèce de mini formulaire de satisfaction de la participation avec la personne, quoi. Notez-le de 1 à 5. Et est-ce qu'il a utilisé ses coms ? Oui, non. Et bien évidemment, après, bah on met les personnes qui ont à peu près le même mindset, si je puis dire, ensemble. Les personnes qui parlent pas, jouent avec des personnes qui parlent pas. Les personnes qui parlent, jouent avec des personnes qui parlent. Et les personnes toxiques, jouent avec des personnes toxiques. C'est tout. Deux personnes par game, comme pour la valorisation. Dévoué, vaillant, meneur. Ouais, pas les cinq à chaque fois, là. Parce que les gens le font en random, au final. Comment ça se passe quand t'arrives, là, sur cet écran, en règle générale ? Il y a beaucoup d'infos qui sont données, et t'es pas dans une logique où tu vas... Suis-je le seul à appuyer un petit peu n'importe où ? D'accord ? Sans vraiment rentrer dans les détails. Et au final... Je clique partout en donnant au maximum parce que j'ai été aidé, ok ? Je clique absolument nulle part si j'ai pas été aidé. Idem. Et c'est pas une question de fournisseur ou une question de truc, etc. Il faut pas partir dans une espèce de logique de se dire « Ok, le problème, c'est lui, quoi. » Parce que là, c'est le début de la fin, en fait. Il y a des gens, ils ont leur gamin à côté. Il y a des gens, ils peuvent avoir leur femme à côté parce que, ou je sais pas, ou leur mec à côté qui est en train de regarder la télé et qui n'ont pas forcément envie d'entendre le mec parler, crier, chuchoter, il joue à 2h du matin, etc.
Je peux comprendre. En revanche, si tu parles pas, tu tombes avec des gens qui ne parlent pas. C'est aussi simple que ça, quoi. Faut faire comme sur l'autre. Tu peux honorer qu'une personne à la fin. Tu choisis mieux. Eh ben, je ne savais même pas que LOL, c'était comme ça. Bah, c'est exactement ça. Bah, là, t'es dans une logique quantitative où au final, bon... Ouais, est-ce que j'ai bien aimé? Bon, voilà. Est-ce que ça s'est bien passé? En règle générale, tu vas dire que l'équipe s'est bien passée quand t'as gagné. Genre vraiment, la plupart du temps, il faudrait faire un ratio entre le nombre de personnes qui mettent quand c'est bien passé, qui mettent un F5 au moment où ils ont gagné et un F6 au moment où ils ont perdu. Tu vois? Je pense que ouais. Soit on y va pleinement, soit on fait des trucs vraiment précis. Ou soit on n'y va pas du tout, quoi. Mais on ne peut pas donner là la possibilité à 3 pélos de faire un clic droit et de faire un voice report en 2 secondes, quoi. C'est pas possible. Je vais donc continuer à critiquer le système parce que visiblement... En fait, le système, oubliez ce que j'ai dit. Moi, je trouve qu'il est pas trop mal. En vrai. Et qu'il est plutôt cohérent avec... Avec tout, en fait. Avec plutôt tout. Hein. C'est plutôt moi. Ça montre que vous êtes un pilier de la communauté qui est affecté fréquemment les autres positivement en montrant constamment du dedication et du leadership. Oui, quelque part, je pense que... Non, le système est bien fait, il n'y a rien à changer. Hein, du coup, on va repartir en game. Voilà. Pourquoi ils se font bannir leur message Arca? Ils ont dit MDR. Vas-y, putain, qu'est-ce que vous êtes relou, les gars. Les surveillants, dès qu'ils activent le mode nazi, c'est parti, quoi. Merci Lios pour les 19 mois. Merci Ere Bosque pour les 4 mois. Vous êtes des monstres. Vous êtes un peu des rats en ce moment, quand même. Parce que dès que je fais des games en ranked, putain, la vache. Le temps passé, l'énergie dépensée versus... voilà, quoi. Putain. Même Mary a plus de subs que moi, les mecs. Il a 2400 subs maintenant, Mary. Vous avez vu hier? Attendez, il faut que je le... Faut que je le screenshot. Je vais le mettre sur... En vrai, je suis quand même exemplaire. Vous avez vu un peu la game exemplaire que j'ai faite? Non, mais en vrai de vrai, je mérite le exemplaire. Ah oui, c'est vrai, on peut pas faire d'impression écran sur Rainbow Six. Vous trouvez pas? Je vais tweeter. Je suis exemplaire, Rainbow Six FR. Est-il possible de me rendre mon charme? Pensez que ça fait trop, non? Comme... Qu'en pensez-vous?
Attaque Villa. J'adore. Pardon. Bill Black tirait Bappé ses droits au campus. Allez. Capcan, oui, bien sûr. Toujours bannir Capcan, c'est extrêmement important. Et pas Enmira, en revanche, non? Ok. Hello, guys! Je reporte. Merci chef Wigoum pour les nouvelles étudiantes à Montpellier. Chef Tireba Wigoum passé droit au campus. Ça ou quoi, je sais pas. Merci Cacao Bu pour les 10 mois, un monstre. CM-Bacao Bu, passez droit au campus. Let's go. We need to locate a bomb. Bon. Il y a un Deimos, faut prendre avec eux. Parce que regardez, personne n'est repéré en haut. I'm going to spot them for you. Mais lui-y. Oh, c'est fait. Valkyrie. Goyu, petite muche. Machin. You have them now. Lights on. Bomb located. Flash set. Lights on. Drone deployed. Okay. Reload. Wait. Ash, can you go for the diffuse or? The diffuser has been recovered. Clear the blast area. C'est pas de temps. Scanning. Je sais pas si je peux l'avoir. Death mark tracker out. Cadence sight.
Ça veut pas level up un peu là? Putain, ça va être encore une game de merde. Tu sais quoi? Je prends le diffuse. Je sais pas, je vais tenter des trucs. Je tente des trucs en ce moment. Trophy, non? Je sais pas comprendre. Peut-être ça en fait. Ouais, quoique. J'ai envie de planter comme une merde. 10 seconds to go. 5 seconds to go. I don't know. Your mission is to locate and defuse a bomb. C'est ouf, quand même. On peut rien faire là du coup? On l'a dans le cul, c'est ça? Sac à merde. Et 12 ans, au tube. She's not inside. She's not inside. There is a frost. There is a frost, Yana. She's not inside. You can go. I didn't kill frost. Okay, wait a bit. I'm going to tell you everything. They didn't reinforce on that wall. One is in the in the stairs. Astro. I can try to plant. Can you open? There is no one statue. I can try to plant. There is a vigil somewhere though. I'm planting, I need help. Moosey stairs. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Mais c'est impossible que je me prenne ça sur un putain de move de noob. Mais qui fait ça, ça longe là? Let me underground, let me underground, it's okay. Il me fait peur. Nice. Mais qui fait ça? Comment je peux m'attendre à ce que la Médusie se crouche là pour tenter un pré... Ah, je sais pas. Vas-y. On va faire que des plantes comme ça, débile. J'arrive même pas à imaginer le move qu'elle a fait pour arriver dans cette situation où elle se crouche à la porte alors que la Yana est à gauche et ça passe en plus. Et qu'elle tente le travers sans ouvrir sa ligne. Parfois, je comprends pas. Et l'autre fils d'up, du coup, il a fait H, tout droit, je suis mort, je m'en vais. Jeu de merde. Lui, il est parti sur Fortnite, ce fils de pute. C'est sûr, hein? C'est sûr et certain. Lui, il est reparti sur Fortnite.
Ah, franchement, c'est trop compliqué. Hein, parce que, ah, franchement, quand je vois Bolo, il fait pareil pourtant. Il casse les portes et il va tout droit. Il me déteste. Donc là, je comprends pas, tu vois. Moi, j'ai cassé la porte, j'ai tout droit. Et ben, j'ai pas mis de tête en fait. Fils de pute. Where are they? Same spot? Pas de viseur 2.5? Si, mais bon. Vu comment j'avais envie de la jouer. Oh my god. Ah, dans les toilettes, mais comment je pensais qu'elle était dans les escaliers. Qui fait ça? She's in the bathroom? Shower, in the shower, yeah. Ah, je suis tellement débile, en même temps je drone pas. Je voulais absolument faire le kill sur la Valkyrie. J'arrive pas à m'adapter, je suis désolé, ça va paraître très prétentieux, j'arrive pas à m'adapter à ça. Je comprends pas. Bon allez, on va leur mettre la Mira. Mira is good. Pour toi qui as 0-2 là. Prends Mira, c'est bien. Prends pas Kavera. Ok. Nice. Secure the area. Keep the bombs protected. Bomb's done. We located a bomb. Protect it. Spec you up. Looking for intel. Electro sensor on. Secure sensor looking out. 10 seconds remaining. Deploying electro coordinates. Secure sensor looking out. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Jamais tenté spawn kill. Okay, one is dead. There is an ash. Oh là là, il y a pas de bruit, tu sais. Twitch drone. Dead. Swapping
One is pushing from under. Quelqu'un a été. Non, y a pas de contrôle du coup. Arzival 007 passé droit au campus. Do we have anyone 90 guys? Non pick. Ouais, t'as raison. Cours. C'est pas une tête, ça. C'était pas une tête, la première tête. Oh non, je suis débile qui peut passer en face. He's on the VIP balcony, he's 45 HP, don't pick, it's win. It's okay, Koyo. Fils de pute là! Putain, c'est bon, don't pick, le gars il va dehors. Behind you, yeah. Putain, don't pick. Première fois je suis nul, je vais retenter une deuxième. Oh, on sait pas, peut-être sur un malentendu. Je sais pas quoi jouer. Faut que j'arrête avec Solis, hein. J'aime trop Solis. Pardon. Si tu le colles pas, vous le perdez. Le truc derrière lui, à la Mira. Ouais. Derrière. Alors, je sais pas comment il va vouloir défendre ça. It's good. Yeah, you can put it. On va la mettre, je sais pas. La deuxième, vous la voulez. The second one here. Mira. No. As you want, bro. Camera deploy. With a rotational on the right, if you can. And we need to fuck them, huh? Je sais pas où il est là. Mec, il fait sa R&D. Where did you die from? Can you talk, Aruni? Op 4 found a bomb. You must defend it. Electrosensor active. Let's see what I can find.
Non. Non, 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 zéro fucking drone. Zéro drone, poulet. Non, absolument zéro, 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 zéro drone. Careful, one is coming from vault, from the other side. Mira, behind you. Oh, mais c'est... Now the other behind. Yeah, yeah, they... Vas-y, nique ta mère. Non, left, yeah, exactly, yeah, here. Pourquoi je me tombe qu'avec ça? Il y avait zéro drone. Et lui, il vient bien me chercher. En mode, il sait que j'arrive. Pas de doute là-dessus. Surveying. There's Oza somewhere. They're opening that mirror. One on site, I think. Yeah, pushing, pushing on ping, 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 on ping. Deploying sensor. Planting behind the bomb. Faut la shooter. Nice one. 2v1. You can come back, Pulse. Don't pick. I got the cam. He's close to the bomb. Yeah, he's on ping. Nice. Op 4 eliminated. Mission successful. Ça va. 4v5. Tu crois que tu vas gagner des points bonus parce que t'es en 4v5 ou pas? Il devient quoi, Vibracy? Je sais pas. Living room ou dining avec eux. Yeah, let's go. We can take a lot of C4. If you take Pulse again, we can C4 them. Ah! Ouais, bah c'est un peu fucked up là. Truc. Merci Parzival pour les 3 mois. Attends, je suis où là? Ah, non. Yeah, not the other one, it's okay. Rotation here. On va pas faire de trop, des rotations trop grosses, parce que vu le niveau. Okay, yeah, you can put it here. You need to shotgun here, bro. Shotgun here. Amazing. Et pourquoi pas? Careful of the fast push. You're a monster. Perfect. There is one at the top still. I got Deimos on me, guys. I'm gonna need your help. Deimos is here. Deimos is on me. Ah.
diffuser. One toilet. Where is the demos? Back on 2-10. He ran outside. You can hear him. He's going to go from basement. Yeah, one pushing from clock. On ping. One on ping, pushing behind. China, on ping. Pushing kitchen, in the kitchen. 5 seconds remaining. You're the best! Op 4 eliminated. Mission successful. Let's go. Tu m'étonnes. Good clout. Thanks. Je peux pas cliquer. Personne avait la cam clock, sinon tu meurs pas. Bah, c'est parce que je suis passé tout à l'heure, quand je suis passé sur le premier swing, que j'ai pas entendu qu'elle était cassée. Quand je suis remonté, je me suis dit qu'elle était pas cassée. Et donc du coup, à chaque fois, je pars du principe que quelqu'un l'a en fait, la cam. Donc quand la Zofia me tue, pour moi, c'est un endroit par lequel je peux pas me faire tuer. Je pense qu'au final, la Zofia, le mec là, il va rotate à l'extérieur, il s'est aperçu qu'il pouvait pas ouvrir à l'extérieur, il est remonté à la fenêtre sur laquelle j'allais le tuer au final. Je me suis dit, la Zofia, en revanche, peut-être qu'elle peut descendre au niveau de l'escamain, c'est pour ça que j'ai reculé deux pas, parce que je me suis dit, comme ça, le bloc à droite ne va pas me faire chier. Sauf qu'elle a rota au niveau de l'Astro, la meuf. Et pour moi, c'était impossible qu'il y ait quelqu'un là-bas, parce que la cam n'avait pas été cassée. Mais, une fois de plus, ça part du principe que les personnes regardent les cams. Et les personnes ne regardent pas les cams et ne veulent pas call out. Et ce sont les mêmes personnes qui se plaindront de je sais pas, de tout en fait, du pire de R6 quoi, qui trouveront n'importe quel truc pour dire ouais R6 c'est... franchement je pense que la hype elle est un peu passée ou je sais pas, j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, voilà. Sûr. Merci Braxco pour les 2 mois, un monstre.